avec toi, mais comme il rige devant Dieu, le Dieu très haut. Il rige devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés de 1 an. Seigneur, pensions déjà lui. Donc, il y a quelques jours, dimanche, qui n'a pas parlé autour de lui, Seigneur, nous joignons. Et la main de Batéan, c'est Dieu tout puissant. Pour pas vraiment utiliser nous comme canal, pour capable non seulement bénir nous, bénir Père Boua, bénir chaque famille, bénir chaque ami, bénir chaque petit monde. À travers la parole, c'est Dieu tout puissant, il y a réussi, il y a succès, il y a victoire, il y a autorité, il y a puissance. Nous te prions. Au nom de Jésus, amen. Bien. En fait, nous déjà après un petit peu de parler autour parce qu'il y a tant de prédicateurs qui parlaient des textes là, déjà de la Bible. Le livre Michéa a été écrit par Michéa aussi, par même Michéa, qui c'est auteur de ça qui était écrit. Et livre ça, c'est un livre dans l'Ancien Testament, un livre prophétique. Et livre ça a été écrit environ 735 à 700. C'est-à-dire, à cette époque, le débat commençait dans Bible pour venir dans le petit. C'est ça fait, on commençait de 735, donc de 735 avec 700 avant Jésus-Christ. Donc, nom Michéa, il signifie qui est comme l'Éternel. Qui est comme l'Éternel? C'est toujours une question. Et en plus, ça qui attire l'attention, quand nous faisons lecture, c'est un texte qui est chargé avec un ensemble de questions. Son texte qui est vraiment riche en questions, mais est-ce que nous allons jouer une réponse pour toutes les questions autour du texte? Nous sommes capables de dire oui, la Bible, si questionnée, il y a une réponse. Si elle est questionnée, elle est capable de jouer une réponse. Donc, nous disons que Michel signifie qu'il est comme l'Éternel. Michel, c'était un simple homme qui a vécu à la campagne dans le pays Juda. Michel était mort sous règne des rois, de Yotam, Akaz, Ézéchias. Juda aussi de la classe des Isaac. C'est pour dire que monsieur c'était un type qui sortit dans un millier qui part de très grand millier ou du moins sur un endroit qui part trop grand nombre. Il était sorti, il est capable de dire, ou de lui, il était sorti dans un millier très bas, un millier qui part vraiment de grand envergure pour plus d'un. Eh bien, bon Dieu, ta parole utilisée pour faire là, pour être capable, pour tes paroles. Et Michel te dénoncé le péché des royaumes de Juda et d'Israël. C'est-à-dire, Michel te a dénoncé. Et autour de texte, la parole, du moins, lui a mené un procès de toute ingratitude. Peuple là t'a vive, ou bien peuple là t'a dévéré dans l'ingratitude. Et bien, prophète, ça, il t'a expliqué, il t'a interrogé pour te capable permettre à ce que peuple là t'es capable de retourner vivre Jésus. Et prophète, ça aussi, il parlait de la venue de Christ. Il parlait d'un Messie, d'un Sauveur. Et effectivement, voyez, son verre a été venu. Et qu'on s'attend, tout ici est à encourager pour être capable de proclamer et jugement. Il a proclamé jugement du Dieu sur Juda et Israël. Il a proclamé jugement de l'Éternel dans le pays de Juda avec Israël pour être capable de dire que. Il monte ça, il y a un châtiment, il y a une grosse menace qui fait à travers la façon qu'il y a à vivre, qui n'a pas fait mon Dieu précis, eh bien, il t'a adressé, il t'a alerté, il dit, eh bien, mais ça qui gagne sur la vie, nous, mais qui m'allait, qui pendait sur la vie. Et aussi, il s'était prédit punition. Il était dit qu'il y a une punition, il y a une sanction. Qui est vraiment capable de tomber. Et tout à l'heure, il était tout
il était prononcé, il était prédit que Jésus était pour venir et la demande peuple là pour capable venir à la restauration pour peuple là capable vraiment sortir dans l'ingratitude là pour capable vraiment venir en vie reconnaissant pour être capable vraiment servir mon Dieu avec tout le monde, tout le monde. Et ensuite, monsieur, c'était une source d'encouragement pour Ézéchias. On connaît vraiment Ézéchias, comment ça veillait. Et bien, Michel lui-même était en source. C'est-à-dire, Ézéchias était puisé à travers vraiment une proclamation, ou bien à travers l'encouragement, prophète Michel lui-même, lui était vraiment dégagé par la puissance de Dieu. Dans le texte que nous sommes liés dans Michel chapitre 6, là, non, capable dit que à travers les questions qui posaient, elle dit avec qui ça, moi capable de présenter devant l'Éternel. C'est une forme pronominale, une question qui m'a dit pour nous capables de réfléchir autour de questions. Bon Dieu béni. Il m'a dit pour nous capables de vraiment réfléchir côté de Dieu avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel. Maintenant, questionnez tout. Et à travers la Bible, non, en toujours dans l'Ancien Testament, qui parlait de l'argent, l'or, tout c'est pour bon Dieu, AGB. L'argent, l'or, c'est pour bon Dieu. Est-ce que si je retire l'argent dans poche, moi, je vis une balle là, est-ce que ça a capable de moi la vie éternelle? On te bénit. Est-ce que ça a capable vraiment d'effacer péché mieux? Dans le Nouveau Testament, il y a un livre qui a révélé ça, c'est le sixième, l'évangile hébreu. Il dit, taureau, bouc, il n'y a pas de capable d'effacer péché, héritage, grand-parent, moi-même avec vous-même, il y a une équité. Il n'est pas capable. Il dit, eh bien, ce n'est pas un homme, tout homme péché. Eh bien, Jésus béni, une fois pour tout bien passé, péché moi-même avec vous. Bon Dieu béni. Eh bien, ça pousse pour tourner côté de pays. Il dit, eh bien, avec qui ça m'a présenté devant Seigneur? Est-ce que c'est avec l'argent seulement? Est-ce que c'est avec l'argent seulement? Est-ce que c'est avec ça procédé? Est-ce que c'est avec un paquet d'interrogations? Elle dit, cessez de faire de la méchanceté, offrez cœur, offrez vie, offrez nom pour bâtir Dieu. Bon Dieu béni. Matin, ça dit, dans verset 7, verset 8, nous capables, dans verset 8, là, il dit, on te l'a enseigné. Oh, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. Bon Dieu béni. Parce que, à travers les choses, il se posait plusieurs questions. Ils n'ont pas enseigné nous, l'homme. Ça qui vient, est-ce qu'on pense au ça qui vient? Et qui ça que bon Dieu attend de nous maintenant pour les questions nous maintenant pour nous dire, est-ce qu'on monde qui ça bon Dieu attend de nous-mêmes? Maintenant, bon Dieu attend de grandes choses. Bah, bon Dieu attend de belles bagailles, plus gros bagailles à travers la vie. Et ça nous a déclaré dans les psaumes 139. Je te loue, Dieu, de ce que je suis. Une créature célèbre. Bon Dieu béni. Si on terre et Dieu lui-même, effectivement dans Genèse, tout ça, mon Dieu créé, il créé au bon, eh bien, elle est levée sous l'homme. Il créé l'homme qui est un tâche, qui est extraordinaire avec l'image. Maintenant, est-ce que vous avez présenté devant mon Dieu et comme coussi coussa?
Maintenant, première chose à faire, c'est remettre la vie tout entier par mon Dieu. Bon Dieu béni. Gagnez raison, l'homme remettre toute vie par mon Dieu. Gagnez raison, si n'est pas l'homme qui est capable de permettre à ce que nous nous y ou beaucoup plus que ça toujours, parce que vous remettez toute vie par mon Dieu. Et l'on remet la vie au premier rang, on remet le cœur. Ou dépendons totalement de mon Dieu, ou dépendons totalement des chefs suprêmes de l'univers là, bon choix pour mon Dieu. Mon Dieu béni. L'homme est cœur par mon Dieu, bon choix à pour bon, à pour mon Dieu. Zanimou yo, y'a pour bon, y'a pour mon Dieu. Oui, on a dit, est-ce que Toro yo, est-ce que Bertio, Toro qui premier, qui est un an seulement, est-ce que ça yo, est-ce que c'est avec ça yo qu'on présente? Oui, nous capables de nous, oui, nous capables de présenter, mais premier bagaille, nous capables de présenter la série mon Dieu, ouais, d'abord, mon Dieu béni. La vie, nous capables de présenter la mon Dieu éternel, c'est plus que sacrifice qu'on fait, mon Dieu béni. Et dans 1 Samuel, ou 2 Samuel, il dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Maintenant, pire que le sacrifice, quoi faire, il n'y a pas de servir en rien si toutefois que vous-même, même ou pas dépendant de mon Dieu. Si vous pas livré ou même totalement par mon Dieu, pour mon Dieu conduire la vie, mon Dieu béni. Pour capable de quitter vraiment tout souci la vie, toute ingratitude pour servir mon Dieu à tout cœur, tout nom, tout l'esprit. Après sacrifice, va venir. Mon Dieu béni. Première chose à faire, c'est pas l'argent, mon Dieu. Oui, temple a besoin de construire. Nous avons besoin de temple pour nous construire. Mais tout, si toutefois qu'on remet vie personnelle, on remet tout vous-même, toute votre aide, ou dépendre de mon Dieu, nous pouvons garantir ça, ce sont des petites choses. C'est bagaille éphémère. Mon Dieu béni. Ou besoin de dépendre totalement de mon Dieu. Et dans le texte là, il dit, irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés maintenant? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer mon crime? Il dit que, est-ce que mon Dieu, verset 7 là, chapitre 6 là, est-ce que mon Dieu dans les temps béliers, des 10 000 torrents d'huile, est-ce que mon Dieu là? Est-ce que je dois sacrifier petit moyen? Est-ce que je dois sacrifier petit moyen pour mon Dieu? La Bible est claire et certaine sur ça. Parce que tu as gagné un. J'ai fait te faire déclaration ça. Après, frère, il a fait rejeter, il a fait prendre encore. Et puis, il a fait ça à Dieu. Il dit si vous faites gagner une bataille là, je vais petit moyen. Moun ki, non, ma bay moun ki vin rencontrer pour la première. Moun comprendre ma sorti nan guerre, moun ki vin rencontrer nan premier moun sa, ma bay li en sacrifice. Et c'était premier petit là, c'était petit li a qui te rencontrer papa. Et bien papa te expliqué petit là, on te fait un vœu à bon Dieu. On te dit premier moun ki vin rencontrer nan ma bay li en sacrifice. Et tel dit, tel fait. Mais dans d'autres textes, l'Éternel va l'expliquer à travers sa parole. Il dit que quand vous touillez un monde, ou offrez mon ça avec moi, avec mon langue, ou pas offrir pour moi. C'est ça que, oui, la parole de Dieu dit c'est oui, non, oui, oui, non, non. Mais quand détruire la vie au monde pour sacrifier, ben, bon Dieu pas recevoir. Est-ce que nous l'avons? Eh bien, c'est ça qui fait que monsieur était capable de demander mon Dieu pardon.
Parce que les textes avec expliqué pour dire que c'est pour mon nom pour offrir, c'est pas pour mon Dieu. Mon Dieu pas recevoir un sacrifice ça. Et nous sommes capables de regarder à travers Isaac, le bon Dieu demandé, nous avons fait un test pour tester Abraham. Eh bien, il était offert, il était demandé Isaac. Et puis, Isaac, Abraham obéit. Premier à Abraham fait qu'il savait lui obéir. Il obéit avec mon Dieu. Puisque c'est mon Dieu demandé. Il obéit, première chose, mon personnage là, qui s'appelle fait qu'elle obéit à la voix de Dieu. Ça me tire dans le constant pas dit ça. Mais ou même matin, c'est obéissant avec la parole de Dieu. Eh bien, immédiatement, monsieur va offrir vraiment Isaac en sacrifice, pas que quoi il t'en dit, il t'en mette. Eh bien, l'éternel change là. Changez la caille. Bon Dieu béni. Ça veut dire que Martin, hein, c'est pas la vie ou frère, c'est pas la vie petite ou pour bail, pour sacrifier, pour bail mon Dieu, gloire, pour louer nos mon Dieu, mais c'est vous-même même. Bon Dieu béni. C'est cœur, c'est nom, c'est obéissance sous la caille, mon Dieu, qui est capable de faire mon Dieu content, qui est capable de faire mon Dieu joyeux, qui est capable de faire mon Dieu ouvrir le porte ciel là pour vous. Bon Dieu béni. Martin, nous disons que. Ça yo, sacrifice ou yo, si la vie ou pas dépend totalement de mon Dieu, sacrifice ou yo, yo en vain. Jeune garçon, jeune fille, bon Dieu attend des grandes choses dans la même. Madame Marie, Monsieur Marie, bon Dieu compte sur vous. Maintenant, puis nous que bon Dieu compte sur vous. Tout plein. Vivre tous les deux serviteurs pour dire, ah bon Dieu, nous ne pouvons pas réduire mon Dieu en 100 reals, nous ne pouvons pas réduire mon Dieu en 50 reals. Tout le plein autant de reals, c'est parce que mon panne mon Dieu. Mon Dieu béni. C'est parce que bien on panne mon. L'argent, c'est pour mon Dieu. La blessé au bas, nous, mais je crois que nous-mêmes, ça, mon Dieu est intéressé à priorité, c'est la vie. Maintenant, font reconstruction de la vie. Font tourner pour comment ça y est. Façon que la Bible, là, est-ce qu'elle fait mon Dieu merci? Est-ce que les gens nous comportent nous? Est-ce que les gens nous quittent vraiment souci la vie pour que nous aller? Est-ce que ça est capable de permettre à ce que nous entrions dans la cité de Nian? Non, il n'est pas capable. Est-ce que parce que je sacrifie tout ça, je voulais vraiment un petit mouton, je vraiment voulais tout premier qui est non seulement pour ne pas gagner des faux. Est-ce que ça est capable vraiment de sacrifier? Est-ce que ça est capable vraiment d'entrer dans la cité de Nian? Il n'est pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable. Maintenant, moi senti vraiment, à travers l'adoration, si elle l'a été ouvrie. Même si nous, maintenant, pas de l'autre bagaille qui m'a été intéressé, c'est avec la vie, c'est avec la vie. Oui, nous avons besoin vraiment pour nous construire, nous avons besoin vraiment d'un côté qui nous aime, nous ne pas nous pour nous adorer. Parce que vraiment, chaque mois, on a offert 3 000 reais, ou bien on a offert 3 000 palais à une compagnie. Et nous-mêmes, nous devons faire ça. Dans le monde qui va travailler, comme ça, nous devons faire ça. Chaque mois, nous devons payer 1000 reais. Si nous devons prendre crédit, nous construisons un temple pour adorer mon Dieu. Chaque mois, nous devons faire environ. Nous mettons 1000 reais. À 1000 reais, 3000 reais, ça va être 2000 reais. Dans des milliers de gens, nous avons pris 1000 reais pour nous aider les gens qui ne travaillent ou bien veulent, les gens qui ne payent pas les moyens. Ça veut dire, nous devons faire ça. Après l'obéissance de l'homme, nous avons besoin de développer l'intelligence de Dieu pour nous capables d'avancer vers l'avant. Est-ce que nous là? Nous avons besoin de nous faire. Mais puisque nous en panne, mon Dieu, puisque là, nous manquons présence, mon Dieu, dans la vie, nous savons que nous ne sommes pas capables d'avancer. Pour nous guérir la présence de Dieu dans la vie, nous avons besoin vraiment de vivre dans l'amour fraternel, frère, cher. Nous n'avons pas besoin de mettre trois différences. Ah, tu fais tel ceci, tu fais beau classe. Ou besoin vraiment de dépendre nous totalement de Dieu pour que mon Dieu soit capable de conduire. Ou besoin vraiment d'utiliser l'amour de Dieu pour nous capables d'avancer. Ou besoin vraiment de mener une vie qui sanctifie, une vie qui a pas pour mon Dieu. Une vie côté vraiment la gloire de Dieu à manifester, la gloire de Dieu à briller. Regardez comment on a adoré, on a pleuré, on a senti vraiment en extase, pour être en extase. Nous avons adoré mon Dieu. Nous loin, nous loin, nous loin, nous loin, nous loin, nous super. Mais est-ce que vous connaissez? Vous avez besoin de dépouiller de vous-même pour attacher avec Dieu. Et la Bible parlait que la sanctification
Moun qui a présenté, moun qui intéresse mon diation, moun qui a vivre dans sanctification. Yon moun qui a vivre dans purification de sang Jésus-Christ. Parce que sans Jésus, il est capable de laver, il est capable de purifier, il est capable de sanctifier. Mais maintenant, est-ce que vous obéissez avec la parole de Dieu? Est-ce que maintenant vous obéissez à travers vraiment la Bible qui se livre des livres? Qui c'est vraiment philosophie des philosophies, l'homme pas qu'à finir, vraiment comprendre, vraiment pouvoir à puissance, mon Dieu. Maintenant, moi, invité, chaque monde qui l'a, première chose à faire, c'est remettre Jésus la vie. Si toutefois qu'on fait ça, eh bien, persister, dépouiller des mounes ou des auparavant, parce que, avant de Paul dit ça dans Colossiens 3, verset 9. Il dit dépouiller des mounes ou des auparavant, des anciens mounes côté auparavant, au race maman, race papa côté hier, ou bien race, à n'importe quel moment, on parle de dans les verras, du jus pour aller. Il dit dépouiller des mounes saillants, dépouiller des péchés, dépouiller des jalousies, dépouiller des hypocrisies, et nous avons garantie. Si nous dépouillons de tout mal, de toute méchanceté, gens, et le prophète Michel t'avait expliqué pour le peuple là, capable de débarrasser de idolâtrie, débarrasser de magie, débarrasser de méchanceté, pour être capable vraiment de faire mon Dieu plaisir. Maintenant, nous garantissons de vous dépouiller de tout virus, ou attaché avec le fruit de l'esprit, qui c'est l'amour, la joie, la bénédiction, la sagesse. Nous vous garantir vous allez loin et vous allez entrer dans la cité bénie parce que d'accord, vous pas vivre pour vous, vous allez vivre pour Christ. Et avant de continuer, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et bien, à travers cet examen, et bien, au théâtre, il t'a expliqué comment le peuple là, capable de comporter, comment vraiment le peuple là, capable vraiment faire mon Dieu plaisir. C'est toute vie pour dépendre, pour être capable de faire mon Dieu plaisir. Donc, verset 7 là, nous finissons avec elle, nous avons dit, écoutez. Il t'avait expliqué, est-ce que si Mbaye, Bélier, Taureau, un paquet de bagailles, est-ce que ça est capable d'effacer le péché? Je dis non, il n'est pas capable d'effacer le péché. Et la continue dans verset 8 là. Et on sait, nous avons dit ça déjà, nous avons parlé de ça déjà. Oh homme, c'est bien bien à l'Éternel. Et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture. Vous pouvez vivre dans la loi? Dans la droiture, selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Comment nous sommes capables de vivre selon la volonté de Dieu? Nous toujours pas histoire pour dire pour lui, parce que les livres, ça, ce sont des livres qui baillent, ce sont des épîtres qui baillent explication avec des choses. Est-ce que nous là? C'est livre qui explique. Et regardez, il dit comme ça dans Philippiens, il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est ça qui est capable de permettre à ce que bon Dieu les regarde Jésus-Christ la couleur dans Jésus-Christ. Bon Dieu bénis. Les regarde vraiment Jésus-Christ la couleur chrétien en Jésus-Christ parce que sa action a posé, la façon que la Bible, c'est imiter directement, imiter Jésus-Christ. Normalement, l'Église en général, mais invitez-nous, devant toute vie, nous devons Dieu. Tout le monde ça, toute souffrance ça. Vous avez dit que la bataille dans la famille, à diviser famille, à diviser amis, à diviser les tout le monde est pas bon, c'est parce que nous en parlons de Dieu. Bon Dieu bénis. Ce n'est pas un monde qui en parle de Dieu, mais c'est nous tous. Oui, individuellement, parce que nous sommes toujours retirés de tout. Individuellement, nous, et individuellement, vous êtes capable de faire effort personnel, non pas de égoïste. Bon Dieu bénis. Ou pas de égoïste, c'est collectivité ensemble, parce que l'église sont ensemble des gens qui mettent tête ensemble, qui ouais, non, ils ont doctrine qui marche ensemble. Mais si n'a bien ensemble, il y a un problème. Donc c'est ça qui fait que nous besoin vraiment garder foi, vivre dans l'amour fraternel, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et nous voulons garantir notre l'église qui fort. Nous pas souffrir encore. Les bacs à camper, les bacs à les diables à foyer flèche, n'a campé, n'a dit au nom de l'Éternel, je l'ai pas. Je l'ai pas en pièce. Tu me poussais pour me faire tomber au nom de l'Éternel, je l'ai pas.
Nous ne pouvons pas encore pour qui ça parce que nous vivons selon la volonté de Dieu. Nous vivons pour nous faire mon Dieu plaisir. Ma prière, c'est faire mon Dieu confiance. Mettez confiance dans Jésus-Christ et nous pouvons garantir de vivre une vie heureuse. De sentir confortable. De sentir vraiment les bacs ou la couille pour vous. Et en plus, fois, mon esprit a entré l'église. Ils ont une pierre de l'église. C'est parce que nous en panne mon Dieu. C'est parce que vraiment nous pas quitter mon Dieu. Conduis-nous, c'est parce que nous quittons, nous laisser aller pas vraiment saluer étudier l'école, c'est parce que nous étudions, nous laisser vraiment et orgueil conduit nous, jalousie, hypocrisie conduit nous, et bien laisse ça, nous pas capables d'entendre, nous pas capables de pouvoir à autorité. Et la Bible offre nous ça dans le chapitre 10. Et il dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien n'est pas capable de nous retirer parce que vous dépendez de mon Dieu. Maintenant, nous invitons, c'est faire mon Dieu confiance. Maintenant, nous invitons, c'est dépendre totalement, tout être entièrement, tout vous-même, dépendre de mon Dieu. Et nous pouvons garantir votre passé son source de bénédiction, son source de délivrance parce que la vie, vous dépend de mon Dieu. Pour voir ça quand dans l'an, les diables contre la loi, pas qu'à camper parce que dépend de mon Dieu, les bacs qu'en parole, on coupe pour Dieu la même bouteille, les croisés à l'air, ne pas capable de manger parce que vous dépend de mon Dieu. Mais l'homme a parlé au mal, parler à parler, c'est derrière à parler, c'est pas qu'à faire, ou même c'est avant à faire. Les l'homme a humilié, les l'homme a vraiment à faire ça qui pas bon, et bien c'est derrière, c'est en bas, c'est en l'air. Ou hier ou même, c'est devant, ou à filer ou pis devant, ou pas faire bac, ou pas attendre ça qu'a dit derrière, ou pas attendre ça qu'a dit sous côté, parce que vous avez une condition avec mon Dieu. Quand tu as pour entrer dans le site de Dieu, fort pour entrer, quand tu as pour sauver, fort pour sauver, quand tu as pour libérer, fort pour libérer, quand tu as pour vivre, fort pour vivre, quand tu as pour bénir, fort bénir, quand tu as pour bénir mon Dieu, à travers vie, ou pas bénir mon Dieu, tout entier, ou à bénir mon Dieu, ou à bénir mon Dieu dans la construction que mon Dieu a fait pour. Ou a béni mon Dieu dans le travail de la votre école, ou a béni mon Dieu à travers un frère qui va carrer l'église, qui va nous soulier, ou a béni mon Dieu à travers vraiment un frère qui va carrer l'église, ou a béni mon Dieu à travers vraiment construction qui va faire, ou a béni mon Dieu à travers le une location qui va payer, ou a béni mon Dieu à travers tout vraiment nous capables de dire toute bagaille l'église à mes yeux, on va bénir mon Dieu à travers eux, parce qu'on dépend de mon Dieu. Parce que, que vous entendez des serviteurs qui, d'accord, pour déployer mettre des têtes ensemble, pour permettre à ce que, vous avez un bel mixeur, vous avez un bel ceci, tout accessoire l'église, vous êtes d'accord. Maintenant, l'église en général réveillée, l'église en général levée campée, pour capable vraiment bénir mon Dieu. Pour bénir mon Dieu, il faut être capable de tourner. Pour bénir mon Dieu, il faut être capable de tourner. Des mounoutés auparavant. Vous bénir nous, mon Dieu, il faut capable vraiment dépouiller vous-même parce que mon Dieu, il n'est pas intéressé d'abord à quoi mais intéressé avec la vous déjà. Il est intéressé avec la vie d'abord. Pour mon Dieu, capable de sortir dans une déconfort, il faut d'accord, n'importe la frappe, il faut capable ouvrir à l'entrée. Matin, il dit au monde la matin, mon Dieu a volé le bureau à l'heure toujours, mais besoin ou même matin. Mon Dieu, mon cafou la tente ou pourquoi vous m'importe là. Mon Dieu, vraiment bon cafou la tente ou pourquoi vraiment longe mais on va y mettre là. Matin, bon monde la matin, matin, bon Dieu, bien route la paix à l'heure, faut d'accorder pour vous. Mon Dieu, bon route la paix à l'heure, faut capable vraiment quitter votre hier. Alléluia. Mon côté, mon Dieu, pour aller à l'heure, il y a des humiliations pour prendre, mon Dieu, bénir. Il y a des déceptions pour prendre, faut d'accord vraiment quitter méchanceté. Même Jean, pour faire là. Il dit vraiment, pour nous capables de cesser, suspendre la méchanceté, suspendre le monde mal, suspendre entrer dans sa carrière à nous, suspendre vraiment entre ça qui n'a pas plus d'importance dans la vie, nous mettons de côté pour nous embrasser Jésus-Christ, parce que vraiment, maman, papa, nous pas capable vraiment de mourir sous quoi pour vous, nous pas capable vraiment de couler sang pour vous, nous n'avons pas capable de passer péché, vous pas capable de passer péché, mais une fois pour tout Jésus vient, vraiment, sur le voile temple, vraiment aller dans le séjour des morts, les questionner au mort, où est la victoire, au mort, où est ton aiguillon, maintenant dit nous que dans Colossiens. Il dit comme ça, oh Dieu, toi qui as effacé l'acte où les ordonnances sont condamnées, c'est Dieu qui fait ça, c'est pas maman qui fait ça, matin c'est pas orgueil qui te veut, c'est l'amour qui te veut,
c'est sagesse qui te fait, c'est capacité mon Dieu, la puissance de Dieu qui te fait. Maintenant, nous invitons, remettre mon Dieu ça toute vie, remettre mon Dieu ça tout amour, et nous garantir, leur présenter vraiment pour un jour. Mon Dieu, c'est où le d'abord, mon Dieu, c'est où vraiment qui est intéressé. Maintenant, nous, si tu n'as pas qu'à camper devant, c'est parce que vous bagaille en dedans, mon Dieu placé. Et qui c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit ça, côté vraiment la virée, côté vraiment ou aller la laveur. Parce que vraiment, un soldat faut camper vraiment avec vous la paix sécurité. Parce que l'ange de l'éternel camp autour de ceux qui les créent. Les arrachés au danger. Matin, midi, que pas quitter le monde détourné de mon Dieu. Mais fixez regard sur mon Dieu. Fixez le cœur sur mon Dieu. Parce que après la vie suprême, la couronne nous attend. Après vraiment, toute paix précise dans le monde, ça, eh bien, la couronne de justice nous est réservée. Maintenant, fais mon Dieu confiance, frère Xavier. C'est même pas comprendre. Ou quand la vie vivait vie. Ou quand la vie bat. Ou quand la vie contribuer à l'église. Ou quand la vie contribuer, mais ou à contribuer, c'est vrai pour construction. Mais ne vit pas. Qui ça mon Dieu attendez vous? Est-ce que c'est l'argent non seulement? Maintenant, nous disons que priorité au second Dieu. Bon Dieu béni. Jeune garçon, jeune fille, madame Marie, messieurs Marie. Bon Dieu dépensez vie pour vous, c'est pas l'argent. Bon Dieu dépensez cher pour là. Oui, l'argent là c'est pour mon Dieu. C'est nous qui travaillons, nous devons contribuer. Eh bien, maintenant, on commence à contribuer. Si toutefois que vie vous dépend de mon Dieu. Totalement, vu que dépend de mon Dieu, je garantis. Dans quelques minutes, nous allons construire en terre, nous allons acheter en terre. Mon Dieu, béni. Et nous voyons ici à expérimenter de ça déjà. Et nous sommes capables de garder vraiment et bon ça qui est là. Dans quelques secondes, messieurs, pensez, vous réfléchissez. Chaque serviteur, par, sans rien, sans gourmet, vous avez une voix pour y acheter. Mais à combien plus forte raison. Non, pas qu'à faire plus gros bagages toujours. Et si ça, ça nous qu'à faire. Mais pour nous faire, nous avons besoin de dépendre de mon Dieu. Maintenant, mettez la porte là la frappe. Combien de monde qui peut faire la paix avec Jésus-Christ? C'est toutefois que vous pouvez faire la paix avec Jésus-Christ. Moi, invitez-vous, remettre Jésus-Christ la paix. Peut-être vous avez 50 ans l'église. Vous avez un peu de temps l'église. Vous avez servi mon Dieu. Vous avez venir adorer. Vous avez louer. Mais sans mon Dieu. Maintenant, vous avez besoin de mon Dieu dans la vie. Et nous vous garantissons. Et vous d'accord. Servir mon Dieu à tout cœur. Servir mon Dieu avec tout nom. Le seul conseil vous avez là. Capable vraiment acheter un terrain. Et capable de construire. Et capable de faire un paquet de bagailles. Parce que vous dépendez de mon Dieu. Bon Dieu béni. Pas de vous, pas de moyen, pas de ceci, pas de cela. Moi, je vous dis le tout. Mais maintenant, je vous dis que. De la poussière, vous tirez les fous. Du figuier, vous avez des gens pour les faire asseoir. Avec les grands et avec les grands des hommes. Et mon garantie. Et c'est toutefois que je suis d'accord, mettez tête ensemble. Vivre dans l'amour fraternel. Il y a un paquet de belles bagailles que Dieu a fait à travers la communauté haïtienne dans le pays Brésil. Et pas tout le monde seulement, dans le pays Brésil. Oui, nous, gagnons. Il y a des bagailles nous capables. Nous capables d'éparpiller. Éparpiller dans le pays, dans le monde là. Parce que nous, nous avons un ruban, ou bien nous, sur un ruban, qui c'est l'évangile. L'évangile n'a pas de limite. L'évangile n'a pas de frontière qu'elle n'est pas capable de percer. Mais nous avons besoin de nous-mêmes d'abord. Nous avons besoin de nous-mêmes d'abord. Avec le moyen que nous gagnons, nous sommes capables de commencer. En nous détournant de nos mauvaises voies. En nous, vraiment, en oubliant tête, nous, individuellement, en nous faisant mon Dieu blessé. Nous avons garanti. Et aujourd'hui, nous avons dit, regardez côté de télé. Dans le fond de la mer, dans le fond de la boue qu'il te prend. Et je dis à mettre dans le micro, on peut sauver. Et je dis à mettre au micro dans la bouche. Maintenant, frère Samuel, fais mon Dieu confiance. Est-ce que pas qu'on frère? Est-ce que pas qu'on bien-aimé soeur qui t'a remis de Jésus la vie? Est-ce que pas qu'on monde qui l'a, qui t'a remis, offrir peut-être plus de cadeaux précieux maintenant? Pendant qu'on a contribué pour nous construire ton blanc. Pendant vraiment, on a dépouillé nous. Pour nous capables d'avancer, est-ce que pas comprendre le monde là, premièrement qui t'a remis au Philippe? Est-ce que pas comprendre le monde là qui t'a remis au Jésus la vie? Pas timide, pas peur. Font violence sur la vie. Parce que le royaume des cieux est renforcé, ce sont les violents qui sont là-bas. Fais mon Dieu confiance. Il n'importe pas la frapper, sur le temps des ouvriers.
Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Avec qui ça va présenter devant mon Dieu. Matin, nous te répondons question ça à travers les. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Avec qui?